Et salut tout le monde, c'est Canou. On se retrouve aujourd'hui sur FC24 pour le match Suisse-Allemagne. Très très beau match. Je pense quand même que l'Allemagne va gagner, allez, je veux dire 1-0. Parce qu'on le sait, sur ce jeu-là, il n'y a pas beaucoup de buts. J'aurais mis 2-0 de base. Mais là, comme j'ai un petit doute, n'hésitez pas à dire en commentaire, vous, le score qu'il y aura. Bien sûr, on est ici pour la simulation de l'Euro 2024. Et ça me fait un petit peu peur parce que la Suisse peut totalement aller quand même chercher une victoire avec leur monstre de Shaqiri, la Neuer qui sauve la balle du 1-0. Et le voilà, Shaqiri, cet homme est toujours meilleur quand il est dans son pays. What? J'allais dire corner dégueulasse, mais pas du tout. Mais c'est la première fois qu'il y a un but aussi vite. Alors là, je suis étonné. Là, vraiment, je suis très, très étonné. C'est qui se mangeait comme ça? Oh là là, c'est Moussiala qui se fait avoir. Oh là là. Il y en a un qui se loupe aussi un petit peu avant, il est trop en haut. Oh, Neuer qui se fait totalement avoir, alors qu'il est quand même pas mal grand, Neuer. Au moins, je sais que mon score ne sera pas bon. Mais je l'avais dit que la Suisse pouvait aller chercher une victoire. La Suisse est très très forte. Ils sont méga chauds, la Suisse. Hein. Ils vont me donner tort. Hein. C'est sûr. Ils me donnent déjà tort. Parce que j'avais dit 1-0 pour l'Allemagne. Du coup, ça change tout. Bon, après, c'est plus le même match hein, que je vais tourner. Ça sera Écosse-Hongrie. Je crois qu'on va bien s'endormir. Mais la Suisse sont chauds, hein. Mais la Suisse sont hyper chauds. 2-0 en première mi-temps. Mais j'ai jamais vu ça. Depuis le début, j'ai jamais vu ça. C'est quoi cette dinguerie? Oh, la défense, elle est en fraise. Elle est à la fraise. Ou elle est aux fraises, plutôt. C'est triste, hein. C'est triste pour l'Allemagne, mais c'est super pour les Suisses. Et l'Allemagne qui a vraiment du mal à passer cette défense. Hein. Mais j'ai changé les réglages ou comment ça se passe là? Attends, j'ai pas la pression. Oh, petite balle piquée. C'est bien vu pour changer un peu de côté. Là, c'est bien tendu pour lui. Hein. Bonne défense, c'est bien ça. Les Suisses sont vraiment dans le match. Hein. Encore une transversale. Toujours pour venir du côté droit. Allez, tu l'as vu. Dommage. Là, tu vas être bloqué. Allez, ils sont vraiment bloqués. Ils n'avaient plus du tout à avancer. Shaqiri qui perd le ballon. Shaqiri qui est pas non plus dans l'une de ses grosses... Enfin, il a quand même fait le corner. Alors qu'on approche tout doucement de la mi-temps. 2-0 pour les Suisses. Oh, j'aurais jamais mis ce score-là. Hein. Jamais de la vie. Hein. Je pense qu'il n'y aura plus trop d'action d'ici la fin. Les Suisses qui ont bien tout verrouillé. Et la main qui n'arrive pas trop à avancer. Et c'est la mi-temps. Allez, on est parti pour cette deuxième mi-temps. La Suisse est loin devant. On va voir si elle va essayer encore de creuser son avance ou si elle va défendre. Mais je pense pas. Souvent, les Suisses aiment bien attaquer. Et l'Allemagne, il faut qu'il se bouge un petit peu. Hein, parce que là, c'est pas ouf ouf. Bon, les matchs qui sont un petit peu plus tard, il y a deux matchs à 21h. Du coup,
coup, je pense essayer de mettre une vidéo à 17h et l'autre à 20h. Et l'Allemagne, ça y est, qui essaye quand même. Là, il y a 5 défenseurs, par contre. Si on tire pas de loin, ça passera pas, je pense. L'Allemagne n'est pas dedans, vraiment. Pour le peu que j'ai vu des deux matchs de l'Allemagne, ils sont pas du tout dedans. Ça bouge pas aussi fluide qu'on avait vu dans les autres matchs. Moussiala, on l'a vraiment pas vu. Alors regardez, ils viennent se gêner, mais c'est quoi de ça? Pourquoi ils viennent se gêner? Allez. La Suisse qui est repartie. Ils étaient très très nombreux devant. C'est maintenant qu'il faut attaquer, hein, voilà. S'ils y vont pas maintenant, ils sont pas revenus. La défense n'est pas totalement revenue pour le moment. Voilà, je crois que c'est chose faite. C'est revenu. C'est Gundogan plus dangereux. Gundogan qui se fait bouffer, qui reprend, qui arrive à centrer quand même. Havertz qui est un petit peu mou. Oh, il essaye de le sauver. Ça va en touche pour eux. C'est triste. Oh, les Allemands n'y sont pas. Pas du tout. C'est triste. Ça c'est rendu. Hein. C'est rendu, la passe n'est pas assez forte. Ah, c'est un petit peu dommage. Il revient où? Oh voilà, c'est bon par contre. J'allais dire c'est dommage parce qu'il revient où? Il y a tous les défenseurs. Et on en parlait de ce joueur Moussiala. Qui est là pour égaler 2-1. De toute façon, de base, j'aurais mis 2-1. Mais je l'aurais mis pour l'Allemagne. Donc j'aurais eu faux. Il faut le dire. Première fois qu'il y a 3 buts dans une vidéo, hein. Vraiment. Et l'Allemagne qui continue. Est-ce que l'Allemagne peut aller chercher le 2-2? Je demande à voir. Moussiala, il est vraiment chaud par contre. Moussiala, il est vraiment chaud. Dommage, il serait retourné tout de suite et tiré, ça aurait pu. Il ne l'a pas fait. Décalé. Dommage, c'est bien repris par la défense allemande. Et on arrive sur les 90 minutes de jeu. Dernière offensive, je pense, pour l'Allemagne. Dommage, il avait fait l'appel. Allez, Kimmich. Ouah, j'ai vu Havertz. Havertz pour Wirtz. Wirtz, il se fait totalement avoir. Il fallait tirer, les amis. Et c'est fini. La Suisse qui fait le 2-1. Qui l'aurait cru? La Suisse qui fait la surprise dans ce match. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!